Salut tout le monde, c'est Kea Gaming. On se retrouve sur Daisy Standalone. Et cette fois-ci, ben là, j'ai pas commencé vraiment au sud. Là, je suis à Pavlovo, je crois, un truc comme ça. Et si vous savez pas où c'est sur la carte, et ben tant pis pour vous. Non, je rigole. C'est la deuxième ville en partant de la gauche. Si vous avez la carte sous les yeux, il y a Kamanka, là, ou je sais pas quoi. Je défonce le nom des villes. Mais on s'en bat les couilles. Déjà, quand on regarde les panneaux, j'ai envie de vomir, moi. Qu'est-ce que c'est que ça, là? T'es où, mec? Je sais pas, moi, je suis devant UB3E, on dirait un sort de M, EHORO, tu es où? Merde, les mecs, je suis perdu. Non, franchement, quand vous jouez avec vos amis, c'est super difficile de se retrouver sur la carte. Je sais pas, moi, je suis un peu perdu. Franchement, des fois, je pars à l'ouest, tac, tac, tac. Bon, après, il y a le coup à apprendre et surtout reconnaître les lieux. Et surtout, il faut aller sur la map, là, qui est sur Wikipédia, ou je sais pas où, là. Bon, bah le but là, c'est d'essayer de faire une aventure plus longue. J'ai essayé de partir bah, presque du sud, j'y étais, hein. Je suis juste monté dans cette ville pour commencer autre part qu'à chaque fois au bord de la plage. Et j'ai essayé de monter au nord et de faire une aventure plus longue que les autres. Parce que c'est bienvenu dans mon aventure 3. Et il y a un putain de zombie, ça m'a les popettes. Oh là là, ça commence vraiment bien là. Mais ça, il a même pas chicane. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai même pas regardé si c'était bien. Et les dommages. Alors je sais pas s'ils sont quand ils sont endommagés, est-ce que ça peut poser problème quand tu les manges? Il est monté? Il est où là? Putain, il m'a fait peur, j'ai cru qu'il était dans mon dos, sa race. Putain, on va enlever cette merde là. Bon. Le zombie là, il va me défoncer, j'ai intérêt de courir. Bon, je sais même plus les nord, le nord ou le sud là, je suis perdu. Bon, continuons, on va monter jusqu'au nord. Hein. On va essayer de survivre le plus longtemps possible. Je vais essayer de me full stuff, wesh. Franchement, ça me fait rire à chaque fois que j'entends ça. Je me fous pas de votre gueule, hein. Mais moi, je dis, bon, moi, je vais juste chercher des objets. Faut que je trouve des armes. Non, c'est... Attends, faut que je trouve du loot. Faut que je loot, les mecs. Je vais looter, là. Pop, hop. Wesh, mec, tu veux... Il y a vraiment du stuff à se faire là-bas. Tu peux looter comme un malade. Bon les gars, abonnez-vous à ma chaîne, hein. Il faut s'abonner parce que moi je vais continuer à faire des vidéos parce que ce jeu, je sens qu'il a un futur de malade. Je sens que ça va être une tuerie monumentale. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il faut pas se mentir, il y a pas mal de bugs. Comme ces putains de zombies de merde qui passent à travers les murs. Ça c'est moche et ça c'est bien dommage parce que réellement... Oh putain, j'ai un petit peu faim. Enfin, je sais pas c'est quoi ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une orange. Elle est quoi? Elle est rotaine. Oh putain, faut pas manger ça. Roten, en vrai, je vais tomber malade et quand je vais tomber malade, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir des médicaments. Les médicaments, eh ben, ça traîne pas les rues, moi je vous le dis. Et après, faut trouver peut-être un hôpital ou vraiment des endroits un peu plus sonores. Franchement, il est pas moche. Il y a beaucoup de gens qui les disent bien, il est bien optimisé. Moi, je trouve qu'il est bon. Peut-être par rapport au mode, il est bien optimisé, mais il y a encore du boulot parce que j'ai pas une config de merde. Je vous donne ma config comme ça, vous pourrez vous faire une idée. Une 660 GTX. Un core i5 2500K, 8 Go de RAM en 1600, et puis voilà. Hein. Et puis là, j'enregistre avec Action Mirilis, un programme français, et je suis fier de le dire, parce qu'il est plutôt pas mal. Putain, regardez-moi le zombie là, il vient de 12 km, là, il me suit. Hein. Ah non, il m'a lâché. Et ce qui se passe, c'est que je ne sais plus ce que je t'entends dire, putain de sa mère. Ouais, alors le. Ça va dans l'ensemble. Ça tourne plutôt bien. Par contre, il y a des villes comme Tcharno ou je sais pas. Je sais plus les villes à peu près. Moi, je connais pas trop les noms. Mais bah, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, des fois, quand il y a trop de bâtiments, trop d'immeubles, là, on commence à en prendre plein la tronche. T'es dans la forêt, t'es tranquille, t'as 60 FPS. Tu pars vers les immeubles, tu tapes des 25 FPS. Moi, j'ai entendu qu'il y en a qui avaient pas très bien à faire tourner et d'autres super bien. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup que c'est des putains de mythos. Il y a encore du boulot ce côté-là. Après, réellement, pour une pré-alpha, je tiens bien à signaler que c'est une pré-alpha parce qu'il y a beaucoup de gens. Non, ce n'est pas une alpha, c'est une pré-alpha. Moi, réellement, je suis quand même pas mal étonné. Il y a pas mal de contenu. Bon, au niveau armes, il n'y a pas grand-chose. Mais moi, je suis pas forcément porté sur les armes. Je suis plus quelqu'un friendly. Hein, je sais pas comment on dit exactement, friendly. Je cherche pas trop à tuer les gens pour l'instant, c'est pas mon but. J'aime bien jouer en coop. Bon, en coopération, pour l'instant, l'intérêt n'est pas forcément aussi parce que, à part se stuffer,
Trouver du bon matos et tout, il n'y a pas grand chose à faire. Et moi j'aime bien ça, la découverte, parce que moi la carte je la connais pas du tout. Mais c'est vrai que plus tard, quand il y aura plus de zombies, parce que ça c'est prévu, il y a aussi l'histoire qu'il y en a beaucoup qui sont dégoûtés, c'est que quand ils tuent quelqu'un d'autre qui est en multi, hein, qui est comme vous, bah peut-être c'est un extraterrestre, peut-être pas, hein, peut-être c'est Ichi derrière son écran. Et dès que vous le tuez, qu'il se déconnecte du serveur, et bah le corps il disparaît au sol. C'est vrai que c'est chiant parce que quand tu veux ramasser ce qu'il a dans son sac, moi j'ai jamais tué personne encore sur le multi. J'ai pas eu l'occasion. Pour ce temps, j'ai rencontré des gens réellement, j'ai pas eu des mauvaises rencontres, on va dire. Il y en a avec qui j'ai parlé, il m'a dit ouais, j'ai dit friendly, il m'a dit friendly, il est arrivé, il m'a défoncé. Moi, non, franchement, j'ai eu aucun problème. Bon, là, je dis ça, je vais rencontrer quelqu'un, je vais friendly, je vais prendre une balle dans les côtes, mais ça, on verra bien, c'est pas grave. Et ben voilà, déjà j'ai à boire, mais moi j'aime bien trouver à manger. Putain, ah ben tiens. Je sais pas quand s'écrit dommage, on verra bien. Pour l'instant, je ramasse. Là, il faudrait peut-être que je trouve un couteau. Parce qu'en fait, pour ouvrir les boîtes de conserve, il faut un couteau ou une hache, un tournevis. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Ou un ouvre-boîte. Un ouvre-boîte, j'ai jamais trouvé. T'as regardé-moi ça comme on voit loin. Et quand même beau, il faut se dire que là, je suis pas du tout à fond. Il y en a, ils doivent avoir des bêtes de course. Là, ils doivent se faire plaisir. Je sais pas si vous entendez. Bien la bande son parce que j'ai une grosse gueule, mais les oiseaux, on s'y croit vraiment. C'est un truc de malade. Non, réellement, moi je suis pas déçu. Moi je vous le conseille. Après, voilà, ça c'est juste mon opinion personnelle. Après, j'ai entendu pas mal de monde se plaindre en disant ouais, il n'y a pas de mise à jour, je sais pas ce qui se passe, les mecs, on achète un jeu, il suit même pas, nanana. Attendez, déjà il y a eu, je crois, 3-4 mises à jour les premiers jours, en 3-4 jours. Et là, faut pas oublier qu'il y avait Noël, hein. Et les gens, ils ont peut-être des familles, ceux qui font le jeu, là, je pense. Et là, il y a pris un jour de l'an, et là, faut attendre la nouvelle année. Je pense la première semaine de 2014, et ben là, ils vont s'y mettre. Là, j'ai entendu que la première mise à jour, ils allaient faire que les corps, ils disparaissent plus quand tu tues quelqu'un. Et là, ça serait bien, moi, ce que j'espère, c'est qu'ils améliorent ces putains de zombies. Bon, y'a quoi là? J'aimerais bien me trouver là, me mettre, parce que je suis tout nu. Moi, j'appelle ça un homme tout nu. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Un t-shirt. Ah, j'ai la classe. Moi, je porte que du vert, parce que comme ça, s'il faut se casser. Se casser. Se casser. Wesh, mec, faut se casser là. Se cacher. Ah, bah tiens. Dieu m'a entendu! Ah merde, là faut faire glisser sur lui. J'ai entendu certaines personnes qui se plaignaient de l'inventaire aussi, mais je comprends pas pourquoi. Mais vous avez joué au mode, les mecs? Parce que dans le mode, l'inventaire c'est un casse-tête. Moi j'en pouvais plus, j'avais envie de transpirer dans cet inventaire. Là c'est super simple. Je vais pas vous mentir, moi j'avais. Là j'ai pas ma lampe. Elle est où ma lampe? Putain, je l'ai jetée ou quoi? Ah, s'en fout. Au début, moi ce que j'avais pas compris, par exemple, j'avais des piles. Et une lampe. J'avais pas compris qu'il fallait faire glisser la pile dans la lampe, en fait. Bon, ça, c'est des conneries, hein. Ça, c'est début quand tu vois, t'es débutant, quoi. Épinéphrine, qu'est-ce que ça sert, ça? Je sais même pas à quoi ça sert. Moi, je garde. On verra bien. Ah, c'est pas mal. Là, les gens, ils sont pas passés ici, ça, c'est cool. J'ai vu quelque chose, là, sur le matelas, non? Hey, hey! Alors là, il y a une arme, je vais la ramasser. Là, je sais pas c'est quoi. Ah oui, si j'ai la chance de rencontrer, parce que là, je suis soit un serveur français. Mais si j'ai la chance. Merde, putain, je suis perdu d'où je viens, moi. Je parle, là, je fais même pas attention d'où je viens. J'y vais au feeling, on s'en bat les steaks. Non, mais ce qui se passe, c'est que ouais, je suis soit un serveur français, si je rencontre des gens, bon, au début, tu fais friendly, friendly. Imaginons, le mec il ne comprend pas, c'est un anglais. Mais vous allez rigoler parce que. Moi je dis no problem, no problem. Je veux pas de problème. Je te fais juste l'accent en fait. Voilà, je me suis téléporté de 8 mètres. Bon là, je constate que là. Oh putain, mon dieu. Je suis descendu à 14 FPS. C'est vrai que c'est assez gourmand quand même.
J'essaie de le mettre assez beau pour que ça pique pas trop les yeux. Mais non, mais ouvre-moi ça. Mais non! Est-ce qu'il est mieux ça? C'est la même chose. J'arrive pas à ouvrir la porte. Oh putain, le serveur il reboot. Ça met les poupettes. Message reçu depuis 18 secondes. Bon, en fait, il suffit de se déconnecter maintenant. En fait, c'est tous les serveurs, tous les 3 ou 4 heures, je crois, ils reboot. Ça peut être pas mal, comme ça, je vais avoir un peu de matériel à trouver. Bon, voilà. Alors, récent. J'étais sur lequel? Je crois que j'étais sur je ne sais plus. J'étais pas sur un vide déjà, ça c'est sûr. Je crois que j'étais sur je ne sais plus. Putain. Alors, on va sur celui-là. Est-ce qu'il fait nuit? Non, il fait pas nuit. Putain, ils m'ont mis en première personne là. Ah, ça c'est moche. Comme on peut voir là, je vois le soleil qui passe à travers. Allez, on monte au nord. Putain, par contre, j'ai déjà les chaînes rouges. Ça va pas aller, ça va pas aller. Moi, je vous le dis, cette vidéo va être moisie. Bon, c'est pas grave, je posterai quand même. J'ai quoi qu'il arrive. Hein. Putain, par contre, je vais devoir baisser les graphismes. Je sais pas ce qui m'est arrivé, moi j'ai pété un câble. J'ai mis super beau, j'ai 25 FPS. Wow! Mamma mia! Attendez, c'est à boire ça? Ah, on dirait qu'on peut monter là-haut là. Vous savez quoi? Je vais faire une petite coupure. Je vais baisser un peu les graphismes parce que là mon PC va s'éteindre. C'est pas possible. Bon bah voilà. Allez, c'est parti. Je sais même pas si c'est mieux. Je vais baisser un tout petit peu déjà. Là, moi je vous dis, c'est pas n'importe qui peut faire des vidéos. Ouh là là, ça, ce que je viens de faire, c'est super dangereux. Vite te casser trois côtes. Tu te casses trois côtes là direct, tac tac tac, ouais c'est fini. Vous êtes mort, ok, bon, d'accord. Oh, une casquette, je vais avoir un petit peu de styling. Voilà. Là c'est un truc de malade là, j'ai pas beaucoup d'FPS, ça commence à m'énerver. Ah, une belle paire de gants noirs là, c'est mieux. Plus la classe. Ah, il y a un fruit caché là. Roten, si tu manges ça, t'es malade direct. On se casse, hein. Ah oui, ce qui est pas mal, peut-être que vous savez pas. On peut ouvrir les coffres et les portes des voitures. Là, j'ai l'impression que je peux pas voir le coffre. C'est pété, ça. Non, sur cette voiture, tu peux pas. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose? Rien du tout. Par contre, je sais même plus d'où je viens, putain, mais moi. Je suis grave comme mec. Ah oui, je vais pouvoir ouvrir ma boîte de conserve, là ça va être bien ça. C'est bon ça. Oh, une banane. Est-ce qu'elles sont pourries? Rotten. Bah, déjà la gueule, j'ai compris tout de suite. Là, je suis fou moi, je me mets même pas dans le dos.
Merde, y a un zombie. Là, je vais essayer de le défoncer. Pire, s'il me fait pas chier, je vais le laisser tranquille, moi. On s'en fout. Est-ce qu'on peut faire? Non, on peut pas. Je voulais faire des bandages, mais en fait, tu peux qu'avec les t-shirts. Faire une casquette, des gants. Putain, y a pas grand-chose là. Hey, enfoiré! Putain, il m'a touché, hein. Une paire de clés? Mais à quoi ça sert? Écoutez, je vais les prendre. Je sais pas à quoi ça sert. Ça, les menottes, ça, je sais à quoi ça sert. Parce que ce qui est bien dans le jeu, je le dis toujours, hein, je détaille, même si vous savez, peut-être qu'il y en a parmi vous qui savent pas. Hein. Et ben, en fait, on peut. Oh, celle-là est plus jolie. On peut menotter les gens. Ça c'est plutôt bien. Après tu leur prends leur sang. Putain mec, des fruits pourris ici. Tiens, on va aller là-bas. Ma prochaine mission, c'est d'aller là-bas. Peux pas ouvrir ici. Allez, on se casse. Oh, n'hésitez pas, hein, si vous voulez faire des vidéos avec moi. Moi, ça ne pose aucun souci. Que ce soit des vidéos ou des lives. Par contre, voilà, un minimum. Si t'es un trou du cul, tu restes là où t'es, quoi. Moi, je cherche des gens cool. Oh putain! Barre-toi! Putain! Ah, mais là, faut faire attention, il y a des zombies ici. Voilà ce qui va me servir. Oula, là, il y a un zombie qui arrive. Il se la ramène ou il prend un café là? Je sais pas où il est. Là, tu prends le t-shirt. Tac, tu te fais des bandages. Si jamais ça peut me servir. Je sens que ça va me servir très très vite moi. Là aussi. Pareil. Bandage. Ah, elle a une belle gueule la pomme. Ah, ça c'est bon ça. Attendez, on va se manger la pomme. Une petite pomme invisible. C'est délicieux une pomme invisible. C'est Peter Pan le truc. Tac. Ça me fait peur moi. Tout ce qui est dommage comme ça là, ça me fait peur. Attendez, je vais manger ma boîte de conserve là. Je sais pas si ça rend malade. Si ça me rend malade, je suis foutu. Merde, comme un con, j'ai fait un retour Windows. Oh là, mais pas vu manger ma boîte de conserve. Je m'en fous, je recommence. Appuie comme un cran sur deux boutons là. Ouais. Mais t'es où la route principale là? Je suis con quoi. Ah, il y a une fontaine ici. Faudrait une gourde, je serais refait. Tiens, je me fais le zombie, mange-toi ça, enculé.
Peut-être qu'un jour là il va faire nuit, moi je suis dans la merde après, j'ai pas de lampe, j'ai rien. Parce que franchement, jouer la nuit dans ce jeu, si tu n'as pas de lampe. Mais en plus de la lampe, je sais pas, je l'ai essayé. Tu peux pas. Oula. Tu peux pas. Viser avec vraiment devant toi, je sais pas, où ça buguait. Elle est juste sur le côté là, c'est moche. Bon, ça reste à encore à améliorer, ça je pense. Ah, il y a des céréales. Des petits céréales, c'est bon ça? Ah, par contre, ça prend bien de la place. Voilà, j'ai des céréales, une petite boîte. Allez, hop là. Banane. Mais ça défonce! Et une petite bouteille. Par contre, on va la ranger ici. Plutôt là, voilà. Tac. On va se mettre la bouteille là si j'ai une petite soif. Ah, pour les sardines. Elle est endommagée, ça je sais pas. Tac. Je n'ai pas tout compris dans le jeu. Hein. Une paire de bottes, tiens. Hop là. C'est quoi ça? Une clé? Ouais, ça s'en fout. On va prendre ma bouteille. Je vais la remplir. Voilà, normal, c'est rempli. Ouais, comment tu vois ça? Ah, je crois qu'il était déjà à 100% en plus. Je suis pas sûr. Bon, Léo, mon chemin là, je suis perdu. Ah oui, je voulais aller là-bas. C'est ça. Bon, bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Bah, j'ai pas fait grand-chose, hein. Mais je crois que c'est ça tout le long. Hein. Alors, si vous êtes fait chier dans cette vidéo, faut pas rater la suivante. Ah, ouais, c'est un conseil que je vous donne. Mais c'est quoi les ongles qui bug comme ça là? Mais c'est moche. Mais c'est moche, les mecs. J'ai pas baissé les ongles quand même. Bon bah écoutez, bah merci à vous d'avoir regardé ces vidéos. J'espère qu'elle vous a plu, laissez un petit commentaire et abonnez-vous. Et dites-moi votre avis s'il faut que je m'améliore dans quelque chose, si vous voulez savoir des choses aussi, si vous avez des questions. Et je vous dis à la prochaine sur DayZ Standalone. Allez, ciao.